Amen, bienvenue dans le tirage de l'Énéade. Si tu n'as pas vu l'introduction, je t'invite à aller regarder la vidéo de l'introduction. Ça va te permettre de comprendre un peu à quoi fait référence l'Énéade. D'accord? Sinon, si tu l'as déjà vu, bienvenue. On va démarrer. J'ai déjà tiré les cartes. Cette fois-ci, pardonnez-moi, j'ai utilisé le Rider-Waite. C'est lui. Je l'aime bien ce tarot. Le African American Tarot, je sais qu'il est bien aussi pour nous représenter. Ah, mais bon, celui-là, je l'aime bien. On va y aller aujourd'hui avec celui-là. Donc, Amon, j'ai déjà tiré. J'ai une carte pour toi qui concerne Hérou l'Ancien. Donc, le conseil, en fait, du sage, Hérou l'Ancien. Ensuite, ta carte de Atumré, ici, à la création. Où est-ce que tu es? Ça te situe ici. Ensuite, nous avons. Je vais sortir pour ne pas faire d'erreur. Sortons la liste. Nous avons Chou, la carte pour Chou. Nous avons Tefnout. Après ça, nous avons Nout. On va mettre là comme ça parce que ils émanent. Voilà, Atum a engendré Chou et Tefnout, qui ont engendré Nout et Keb, qui ont engendré à leur tour Seth, Nabinti, Oisiré, Ast. À leur tour qui ont engendré Eru. J'ai décidé de rajouter Eteru, elle est la consort de Eru, c'est-à-dire son énergie féminine. Eteru aussi. Donc nous avons 2, 4, 6, 8, 10. Nous avons 12. Je voulais me retrouver avec 12 au lieu de 9. Je vais même rajouter une 13e, okay, qui est la synthèse. J'espère qu'on la voit. Hein. Sinon, c'est pas grave, je vais. Quand j'arriverai là, je vais détailler, je vais la montrer la carte si on ne la voit pas. Donc voilà ton Énéade. Ici, Atum, position Atum. Prenons la carte pour la montrer. Tu es dispersé en ce moment dans tout ce qui est travail ou dans tout ce que tu entreprends. Okay? C'est ce que ça veut dire, à mon nom. Tu es dispersé. Le sage, Hérou l'Ancien, Hérou le sage, lui, ce qu'il te dit ici, cette carte, ce qu'il te dit, tu veux que les choses avancent, n'est-ce pas? Parce que tu trouves aussi qu'il n'y a pas de productivité. Tu te trouves en fait que tu n'es pas improductif, c'est ça le terme? Donc, c'est ça. Tu te trouves improductif ici. Tu trouves que les choses n'avancent pas. Mais regarde, dans ta dispersion, il y a une chose, il y a un seul projet qui va donner les porteurs. Le voilà là sous tes pieds. Un seul projet. Plutôt que d'être dispersé comme ça avec les autres, il y a un seul qui va donner. Okay? Donc, on commence à te mettre sur la voie de la solution. On va le voir un peu plus bas. Hérou l'Ancien, lui, ce qu'il te dit, tu veux que les choses bougent. Ok, c'est bien. Tu veux que ça avance, oui. Tu es pressé, oui. Hérou l'Ancien, lui, te dit qu'il faut le cœur. Il faut que tu mettes le cœur. Ce n'est pas juste de travailler comme un robot ou bien juste pousser, pousser, mais sans qu'il y ait le ressenti derrière. Si, si, je te vois. Je te vois à l'œuvre. Tu sais, parfois, tu te dis, on doit faire ça. Et tu fonces. Mais s'il te plaît, mets le cœur pendant que tu es en train de faire l'expérience. C'est-à-dire, donne-toi aussi le temps d'apprécier, de ressentir ce que tu es en train de faire. Okay? Ici, il s'agit beaucoup du travail et puis de ce que tu entreprends. D'accord? Je ne sens pas qu'il y a le domaine relationnel ici, mais on parle beaucoup dans ton travail ou dans ce que tu entreprends. Surtout ici, un monde qui entreprend, d'accord? Qui est très autonome. Donc, il faut que tu mettes le cœur, que tu prennes le temps de ressentir ce que tu es en train de faire. L'autre chose que Hérou l'Ancien ici te dit, c'est que l'indice, ok, l'indice, il te donne un indice, il te dit que c'est loin de la ville. Donc, te regarder là-bas, c'est loin de la ville. Il te parle de quelque chose de vert, donc tout ce qui est relié au vert, végétation, quoi. Okay? Et j'ai l'impression que je t'avais déjà donné ce message. J'ai l'impression que c'est un message qui revient.
Ensuite, allons voir le niveau. Donc, comme j'ai dit, le niveau atome, ensuite le niveau héros, l'ancien. Maintenant, le niveau de chou. À quoi il faut penser? Il faut penser. Chou vient te dire à quoi il faut penser, d'accord? Chou te dit de juste penser à un seul. Tu vois, il pose la main ici sur un seul. Il a trois bâtons, mais c'est un seul. Un seul. Focus-toi sur un seul projet. C'est ce que Chou vient te dire. Tefnut. Tefnut te parle de l'environnement. Peut-être que tu ne fais pas confiance à l'environnement, mais on te dit ici de mettre la foi. Ici, je sens que c'est d'avoir plus la foi dans cet unique projet-là. Ok? Ça, c'est vraiment. Le fou, il a énormément de foi. Il se prépare. Il s'en va là. Il s'en va. Il ne pense pas au risque et tout ça. Il fonce. C'est cette foi qu'il faut avoir, mais en cet unique projet où tu dois mettre toutes tes énergies. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que elle a à te dire? C'est-à-dire, non, c'est pas elle, c'est Geb. Geb ici, l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. L'énergie de la terre te montre, te parle d'espoir. Donc, je ne sais pas si tu as été un peu anxieux et tout ça, mais elle te dit qu'il y a espoir. Espoir de quoi? En quoi il y a l'espoir sur cet unique projet vert là que tu ne veux pas, que tu mets derrière, que tu ne considères pas. Ici, très spécifiquement, certains, on vous a même parlé des investissements verts. Parce que quand je dis vert, on croit que c'est juste la terre, hein, mais ça peut être aussi des actions à acheter. Mais dans tout ce qui est vert, ok? Un fonds, on te parle d'un fonds éco, quelque chose comme ça. On te parle de. D'une dividende, c'est ça? Ou bien d'un stock à acheter? Pardonne-moi si je n'utilise pas le terme exact, mais dans le. Il s'agit du dans le domaine donc de la bourse. En tout cas, des. Voilà, actions, pardon. Des actions à acheter sont des actions vertes. Tu pourras consulter si jamais tu veux te rassurer de tout ça. Je viens encore d'avoir même une information plus précise, mais c'est mieux de la garder pour. Parce que là, avec la bourse, on va pas révéler comme ça, mais en tout cas, donc tu viendras en consultation car j'ai eu quelque chose de beaucoup plus précis. Ensuite, l'énergie céleste, elle te l'énergie céleste, mais tu es gâté, tu es vraiment gâté. Regarde Ast qui t'accompagne ici, Ast t'accompagne dans tout ce qui est green, tout ce qui est vert. Bien sûr, puisque c'est bizarre. Pourquoi j'ai dit j'ai l'impression. Ah, d'accord, Osiris est ici. Oisiré est là. D'accord. Mais elle n'est pas loin. La voilà et Oisiré est là. Ah, curieux. Ok. En fait, elle est là et elle est aussi là. C'est ça. Je ne veux pas me mélanger. Elle est là. D'accord. Elle t'accompagne dans. Donc, au niveau céleste, tu es accompagné. Mais ici, là, de façon spécifique, hein, ce qu'on te dit, c'est en fait, c'est ce que je viens de dire, de consulter, de demander à ceux qui ont vraiment l'intuition. Ils vont te répondre. D'accord? Ils vont vraiment te répondre de façon précise. Ils vont même te donner aussi l'information sur quand est-ce qu'il faut. Lancer peut-être que les choses, à quel moment, en tout cas, bref, je crois que tu as compris. Celle qui a l'intuition va t'assister. C'est ce qu'on te dit ici. Ensuite, le niveau de Waziré. Le niveau de Waziré, qu'est-ce que tu dois tuer en toi? Parce que Waziré, c'est la mort et la génération. Moi, ça me fait rire quand beaucoup de gens sont tellement pressés d'embrasser l'énergie de Waziré. Oh, moi, je suis Waziré. Je me dis, aïe, est-ce qu'ils savent toutes les épreuves qui viennent avec? C'est lourd, hein, le niveau de Waziré. C'est lourd, mais en même temps, ça vient avec des épreuves. Donc, ce qu'il faut laisser mourir, c'est cette impulsivité. Tu vois le roi de King of Wands ici, le roi de. Il n'y a pas plus impulsif que celui-là, que personne dans le tarot. Il n'y a pas plus que lui. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi le Knight of Swords. Mais lui, il est tyran même. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu meurs en toi. Oisiré, c'est ce qu'il te dit, tu vois.
C'est ça qu'il faut que tu meurs. Tu laisses cette impatience-là. Tu la tues. Il faut tuer l'impatience. D'accord? Ensuite, Ast te dit, Ast aussi, c'est la même, le même message. La tempérance, c'est l'idée de la patience. Mais patience, c'est accepter aussi les cycles. C'est ce que Ast te dit. Car elle est là, elle est dans ce niveau, elle est ici. Maintenant, qu'est-ce que Neftis, elle te dit? Neftis, Nabinti, Nebhet. Elle te dit que de façon au niveau subconscient, parce qu'il y a ce que tu fais au niveau subconscient qui manifeste, qui donne des résultats, c'est le focus. Celui-là ici, il est concentré, tu vois. Il fait les choses une à la fois. Il est en train de... c'est lui qui est en train de sculpter ça, n'est-ce pas, comme un bon forgeron, ok, avec son outil, mais il est centré et focalisé sur une chose. Il a fait un, il le place, un autre, il le place jusqu'à... Donc c'est 5, 6, 7, 8, l'énergie 8. Et même l'énergie 8, Amon est beaucoup... en fait, tu incarnes beaucoup l'énergie 8, ok? Plusieurs Amon ont le 8, ok? Donc l'énergie du travail. Mais c'est-à-dire un travail. En fait, on te dit, Neptis ici te dit, Nabinti te dit, que au niveau subconscient, ok, qu'est-ce qui amène des résultats? C'est quand tu prends ton intellect et puis tu le concentres sur une chose, tu le focalises sur une chose. Focus. Focalisation, en fait. Focus, c'est anglais, non? Alors, 7, qu'est-ce qu'il te dit ici? Il te dit de faire attention parce que ici, si tu laisses l'impatience, l'impulsivité, l'autoritarisme aussi pour certains, ok, ou bien le tyran en toi, 7 ici te dit que faudrait pas aussi que tu détruises à travers le passif agressif. Tu vois? Passif agressif, c'est quelqu'un qui a l'air vraiment, qui est très calme, mais qui va trouver une façon de vraiment faire mal à travers comment à travers une sorte d'intelligence en fait émotionnelle. Elle va utiliser l'intelligence émotionnelle pour blesser. Donc on te dit de ne pas faire ça parce que tu as la reine. Tu vas utiliser donc ton énergie féminine pour faire blesser en fait. Ça, porte attention à ce qu'on dit parce que ça se passe. Tu vois, les deux niveaux ici, c'est subconscient. 7 est une force qui est en nous, dont on est parfois fier parce que c'est une force de guerrier, n'est-ce pas? Mais on dit aussi que c'est en quoi le guerrier aussi peut nuire aux autres. Tu vois? Donc ces deux niveaux-là sont très subconscients. Ok? Quand je dis subconscient, c'est que on peut t'en parler et tu vas te dire non, 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 je ne fais pas ça. Non, ça te demande, c'est vraiment ce qui se passe de façon subconsciente, dont tu n'es pas conscient, ok? Ensuite, on y va maintenant avec les enfants, c'est-à-dire, alors, Waziri Aseta, l'enfant Eru. Eru, Eru, Eru. Ici, Eru te demande de, pour réussir aussi dans ça, parce que ce qui te préoccupe, ta productivité, n'est-ce pas, que tu veux accroître, tu vois ici l'énergie de départ, tu veux accroître ta productivité, pardon. Eru te dit que tu n'auras pas le choix aussi de couper lien ou bien couper communication avec ceux qui ne sont pas alignés, ceux qui ne vibrent pas dans le sens positif, ok? Si tu vois que c'est, dans l'entourage, certains sont toujours dans le même négatif, ça va te demander de couper. En tout cas, Eru vient te dire ici que ça va te demander de couper. Mais ici, Eru est aussi le sauveur. Hein. Donc, il te dit que c'est ça qui va te sauver, n'est-ce pas? Il est sauveur. C'est ça qui va te sauver. Pour d'autres, Amon, ce que je vois, il y a des gens aussi qui ont coupé les ponts. Ok, il y a des gens aussi qui ont dû couper les ponts avec toi. Eteru va te donner la force de la lionne, n'est-ce pas? On aurait dit Sekhmet, mais de toute façon, on sait que Eteru est aussi, lorsque elle est dans son énergie de feu, elle est Sekhmet, n'est-ce pas? Alors,
Le tarot te dit que tu vois, tu vas avoir ça, c'est bien parce que ce que tu veux, c'est ce contrôle-là. C'est ce, en fait, ce que tu veux, c'est ce pouvoir d'avoir d'immenses, parce que toi, tu veux des résultats, tu veux des résultats qui sont colossaux, c'est ça? Colossal, colossaux. Tu veux voir, tu veux avoir un impact immense. Ok, c'est pas impossible, mais c'est pas avec l'autoritarisme que tu vas l'avoir. C'est avec une merveilleuse acceptation, tu vois, de ton énergie, de tes deux énergies, autant féminine que masculine, et avec aussi, avec le cœur, comme on a vu tout à l'heure. C'est là que tu as ce pouvoir, que tu as le dessus, en fait, dans ton domaine. Tu vas pouvoir être dominant dans ton domaine. Et enfin, l'énergie de la synthèse, c'est merveilleux. Atum est devenu Ré ici. Tu vois, l'énergie, on est parti de Atum et Ré maintenant. Le soleil. Le soleil, merveilleux soleil. Ça, à chaque fois que tu vois cette carte-là, sois content, tu saches que c'est très positif. Mais c'est parce que tu as réussi à... Et c'est la carte 19 aussi, c'est ça? Donc, quand tu auras réussi tout ce parcours-là, quand tu auras écouté et incarné les énergies de tous les hétéros qu'on a cités, le soleil va toujours briller. Tu vois comment est-ce qu'il est là, victorieux sur le cheval. Et puis aussi, pourquoi il est nu? Mais parce que tu as accepté de venir avec ton authenticité, n'est-ce pas? Tu as accepté de diriger ton entreprise, tes projets, ton travail avec authenticité. N'aie pas peur de te mettre à nu. Attention, quand je dis te mettre à nu, c'est d'accepter. Par exemple, je vois une scène où on te dit, une scène par exemple au travail, on te dit, ah, ici tu as fait une erreur. N'aie pas peur de la reconnaître, de dire, oh oui, c'est vrai, j'ai fait cette erreur. Et de tourner ça aussi finalement en positif en te disant, ah merci, ça va me permettre de m'améliorer demain. D'accord? C'est la même chose aussi pour ceux qui entreprennent. Amon qui entreprend accepte de prendre tes erreurs en fait pour des enseignements. Et là, tu vois comment est-ce que tu es victorieux. Ok? Sur le cheval, le soleil brille et brillera toujours. Mais accepte aussi quand ça sera le noir, le dark absolu avec elle, Neptis, ou bien avec Seth. Il y a aussi des moments où c'est la nuit. Okay? Il y a des moments où c'est la nuit, tu vois. Le jour et la nuit. Noir, blanc, le jour et la nuit. Okay? Mais c'est merveilleux. Tu as eu de très bonnes cartes. Tu as eu la carte de l'étoile, tu as eu la prêtresse, le soleil. Mais toi... Écoute, je crois que je vais revendiquer ton tirage. Hein? C'est trop beau, c'est merveilleux. Alors, à la prochaine. N'oublie pas de partager la vidéo si tu as aimé. Et au top!